Mario Radriato. J'espère que j'ai bien prononcé. Pas du tout. C'est pas grave. Ok, parfait. Eh bien, écoutez, bonsoir à toutes et à tous. On se retrouve sur un full game qui va sûrement être très rapide, puisqu'on se trouve sur Pineapple and Pizza, un jeu développé par des jambons nommés. Alors attendez, je vais choper le nom parce que alors, le nom, je retiens pas du tout. Alvaro Mairo Sanchez Mateos. Et c'est pas bien prononcé, et ben c'est pas grave. Alors, c'est un jeu très sorti assez récemment, ce 28 mars 2023, dont on m'a vendu les mérites parce que ce studio a développé ce jeu complètement débile. On m'a dit qu'il était complètement débile, il était très rapide à faire et finalement du génie. Alors littéralement, c'est Pizza à l'ananas. Déjà, rien que le nom déjà me fait délirer. C'est aussi qu'ils ont développé d'autres jeux. Ils ont développé un Getting Over It version golf. Ils ont développé un autre petit jeu débile que je vais sûrement faire aussi parce qu'il est gratuit. Setting, je suppose qu'il n'y a rien. Ah, si, on peut être en anglais ou en espagnol. Ils ont quand même deux langues, attention. Framerate limite, oui, bah oui, 59. Screen height, oui. Ok. Allons-y, paye. Oh, j'ai déjà eu un succès. J'ai joué. D'accord, donc nous sommes sur une île avec des indigènes qui dansent. Alors j'aime beaucoup leur danse. Ils dabent au rythme de la musique. On n'a pas d'action, on n'a même pas de curseur au milieu d'écran. Donc on arrive en plein milieu de ce groupe hein, de gens à bon. D'accord. Je ne peux pas aller dans l'eau. C'est là que tu te dis quand même pour faire un jeu. D'avoir une bonne idée et c'est rapide et quand tu vois la forme du personnage c'est hyper simple quoi. Enfin, je veux dire vraiment c'est la base et encore c'est même pas détaillé quoi. Encore plus la base que la base. D'accord. Visiblement il danse dans tous les sens. Bonsoir. On a aucune action à faire hein. Je me suis pas du tout renseigné, je ne sais pas du tout quel est le but, comment est la finalité, on m'a juste dit. Tu verras, c'est génial, ça dure pas longtemps, c'est tout bête et il a énormément plus de bonnes critiques. Hein. Il est noté extrêmement positif sur Steam. Oh, il y a une madame âgée. Je crois qu'il a 12 000 critiques positives. Je suis pas allé voir d'ailleurs dans les détails finalement. Bon, visiblement, ça danse, il fait beau, il y a du soleil, les jambons ils dansent. C'est quoi cette façon de bouger? Le mec qui sautille sur place. Ça me trigger. C'est hyper basique. Wow! Limbo. Ah, oh, j'ai pété. Ah, oh, j'ai pu faire sauter le. Ah, il sourit plus. Il souriait et là, ils ont plus l'air de sourire. Non, il souriait tout à l'heure, non? De faire la Macarena. La Macarena. Je peux pas cogner, interagir, faire tout ça. Il y a des navires. C'est à la. Bah oui. Sailboat. Ouais. Je peux pas les trafiquer, je peux rien faire avec. Bon, juste je cogne dedans et il comptabilise les objectifs et succès. Même pas sauter quoi. J'adore la musique, elle est géniale. Je sais pas si c'est lui qui a composé. J'essaie de globalement faire plein de trucs différents, mais visiblement il n'y a rien à faire. Quoi. Pour l'instant, je suis pas là. Est-ce qu'il y a vraiment un objectif? Déjà, pourquoi ça s'appelle pizza à l'ananas? Quelle est la raison? Plantation. Vraiment, le départ danser, ça me tue. Tout est joyeux, tout est beau, tout est miraculeux. Et les oiseaux, on n'a même pas de succès pour ça. On a Zumba. Il y a rien d'autre à faire.
Ça me fait rigoler parce que c'est vraiment au rythme de la musique quoi. Hop, il va refaire avec son bras là quand il va y avoir. Excellent. Bah ma foi, oui. Oh, il y a des bruits d'oiseaux. Scaled dance. Scaled, pardon. Oh, une tortue. Bon, mis à part avoir plein de succès des vides, tu te dis quand même sur Steam, il faut mettre 100 balles pour mettre un jeu. Hein. Il y a quand même que mettre 100 balles pour un jeu comme ça, faut pouvoir. Il y a forcément une raison. Le sac de pierre, il danse. Alors attends, avant d'aller par là, on va juste vérifier là-bas. Trop autour du rocher. C'est quoi cette danse? Les mecs, ils ont les mains à 90 degrés. Et t'as prévu qu'ils sont chiés sur place. Bon, à part le fait que tout est beau et tout est magnifique. Mais il y aura une finalité à tout ce bazar, non? Où il n'y a vraiment rien. Ah là. Un volcan? On a un volcan sur l'île. Aller dans le volcan Cliff. Ouais. D'accord. Il faut quoi? Il faut sauter dans le volcan? C'est quoi le projet là? Quel est le projet Turbo Devil derrière tout ça? Ah, tu peux y aller. Ah, je meurs pas, d'accord. Là-bas. Oh, ils vont tous mourir. Ouais, ils vont tous clapser là, non? Ou alors comme moi, ils vont rien prendre. La musique à 100 balles en plus de rien. Génie.
Et l'autre qui hurle derrière. Waouh, la finalité, on est sur une pizza géante et la sauce tomate qui vient tuer tout le monde. Avec l'autre qui s'envole avec ses oiseaux, le popcorn. J'en suis émoustillé. Ça a duré 10 minutes. C'était du génie. C'est incroyable. Waouh. Je n'en reviens pas. Franchement, c'est. Je sais pas quoi dire. C'est du génie. Je n'ai rien à dire. Tout est magnifique. L'île, la musique, les décors, tout est bien. Mais écoutez, moi j'ai rien d'autre à rajouter. Hein. N'hésitez pas à de j'aime, n'hésitez pas à commenter, aller voir les audios, les autres let's play. Ben voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre? À la prochaine. On se trouve pour un autre truc débile dans le genre. S'ils ont d'autres jeux, je crois qu'ils en ont un autre. Waouh, je m'en remets pas. Waouh. Putain, la sauce tomate et la pizza. Ananas, quoi. Le volcan qui fait l'ananas. Waouh. The fuck. Du génie. Oh. Bon, bah écoutez, parfait. Bah, je vous dis à la prochaine, je vous dis ciao, ciao.